Jérémy, c'est la masterclass bricolage. Nous sommes devant des murs fissurés en plâtre. Voilà. Et il va falloir nettoyer la blessure et puis reboucher. Exactement. Donc aujourd'hui, on va voir comment reboucher une fissure dans un mur en plâtre. Là, sur le plateau, ce sera en plâtre. Chez vous, ça peut être en béton. Et c'est simple ? C'est simple à faire ? C'est pas très compliqué. Il y a plusieurs étapes à respecter, mais c'est pas très compliqué. Vous allez voir, on va le faire étape par étape. D'accord. Et on va d'abord commencer par creuser la fissure. Ah bon ? Ouais, parce qu'il faut l'ouvrir pour pouvoir la nettoyer après. C'est-à-dire qu'une fissure qui est dans le mur, il faut que je gratte dedans ? On va gratter dedans. Pour l'ouvrir, parce que sinon l'enduit ne va pas réussir à passer dedans. D'accord. Donc on va commencer, on a cet outil-là. Oui. C'est quoi ? Alors ça, c'est un grattoir triangulaire. Et donc on va utiliser un des coins D'accord. qu'on va caler à l'intérieur de la fissure. Et on va commencer à gratter le long de la fissure pour l'élargir en fait. Donc on va essayer d'élargir au maximum la fissure. Bon, je viens de rajouter une fissure, moi. Moi aussi. C'est bizarre, quoi. Mais comme elle n'est pas plus grosse qu'une pièce de 2 euros, je vais pouvoir injecter ma résine spéciale. Voilà. Donc vous continuez à vous grattez bien avec le triangle. C'est du plâtre, hein, ça. C'est du plâtre. Ça fonctionne aussi sur d'autres surfaces. Hein. On peut le faire sur du béton, sur du ciment, ça marche aussi. Une fois qu'on a creusé la fissure, on va devoir la nettoyer. Donc on peut y aller au pinceau dans un premier temps. Normalement, quand on travaille sur du ciment, on peut utiliser une éponge avec de l'eau et ça va faire que la poussière va adhérer à l'éponge et ça va se nettoyer plus rapidement. Là, sur du plâtre, ça va être beaucoup plus simple à nettoyer. Eh ben, c'est super. Anthony est au ciseau, donc. Moi, je fais une petite coupe. Oui, c'est bien. Il fait une petite coupe à la fissure. Donc, on va nettoyer la fissure avec le papier ponce. Alors, on va essayer d'utiliser un grain assez fin pour que ça reste doux. Jérémy, ouais. Lorsque dans mon mur, il y a une fissure, mais tu sais que c'est un peu noir autour, est-ce que ça veut dire que c'est de l'humidité ? C'est pour ça qu'il faut la nettoyer, c'est pour ça qu'il faut gratter, pour qu'elle soit saine en fait quand on va la reboucher. D'accord. Cette tenue totalement appropriée pour faire ça. Vous êtes content, sortant. Oui, c'est bon. Alors ? Donc, on va prendre ce qu'on appelle des couteaux de peintre. Voilà. Oui ! On va mettre de l'enduit qu'on va ouvrir d'abord au ciseau. De l'enduit, ok. De l'enduit à reboucher. On va mettre ça sur la surface du couteau à peindre. C'est lequel ? Ah, celui-là, okay. Voilà, le grand, le large. Et on va venir perpendiculaire à la fissure, appliquer l'enduit de rebouchage. Alors là, on remet de l'enduit sur le couteau. Et hop, on vient boucher la fissure perpendiculairement en appliquant. Voilà. On peut y aller grossièrement parce qu'après, on va faire une autre étape où on va mettre ce qu'on appelle une bande de recouvrement. On va fondre la bande dans la fissure. On va faire un truc de... Ok, Jérémy. Un truc de pro. Ah ouais. La grande classe. Voilà. Est-ce que je fais la même chose lorsque, par exemple, j'ai percé pour mettre un clou, pour poser un tableau ? Est-ce que c'est la même chose ? C'est le même procédé, sauf que c'est une surface plus petite et qu'il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir. Anthony, on en est où ? Il y a ce trou qui me dérange. C'est pas grave. On essaie juste de le remplir. D'accord. Et on le rattrapera après avec le ponçage. Alors Stéphane, on en est où ? Perpendiculaire. On essaie d'être perpendiculaire à la fissure. Comme ça, l'enduit va bien aller à l'intérieur. Voilà, très bien. Derrière, ça va ? Ouais. Audrey, on en est où ? Faut pas hésiter à en mettre beaucoup, en fait, parce que là, en fait, Audrey, elle ne remplit que la fissure, alors qu'on va en mettre plutôt autour de la fissure même. Et c'est ce qui va nous aider après à avoir quelque chose d'uniforme avec le ponçage. D'accord. Ah, ok, je vois. Voilà. On sent que Mathias, il a un peu d'expérience sur la fissure. J'ai passé mon jeudi dernier à ne faire que ça sur un mur chez moi. Très bien. Voilà. Janane, on en est où ? Moi, ça va. Eh ben, c'est très bien. Maintenant, on sait que ce qu'on doit faire quand on a le cœur brisé. Mais alors, concrètement, alors, ça, c'est moins cher en plus que de se faire piquer sa caution par les propriétaires. Et on n'aurait pas pu carrément mettre directement dans la fissure. Alors, on aurait pu. Mais comme on veut, après le ponçage, on veut quelque chose d'uniforme. Donc, c'est bien qu'il y en ait un peu sur les bords aussi. D'accord. Comme ça, quand on va poncer, on va avoir un truc beaucoup plus uniforme. Surtout qu'après, on va rajouter une bande. Donc deuxième étape, alors normalement on laisse sécher une petite heure ou deux, suivant les produits, là sur celui-là ils disent 30 minutes, oui. Et ça dépend des enduits en fait, et suivant la surface ça peut prendre plus de temps, si c'est une surface bien sèche ça va sécher vite, si on a beaucoup humidifié parce que la surface à courir était grande,
ça va prendre un peu plus de temps. Donc ensuite, une fois que c'est séché, on va prendre une bande de recouvrement comme ça. D'accord. On va utiliser le petit couteau pour la maintenir sur la fissure. D'accord. Il faut que ce soit plus grand que la fissure, la même taille. Faut que ça fasse la taille de la fissure. Ok. On part de tout en haut de la fissure et on va la diriger comme ça. On la tient avec le couteau, le petit couteau, et on va la diriger jusqu'en bas en la piquant tout le long de la fissure. Ah oui, mais moi, ma fissure, sans faire de plis. Ouais, il y a un V. Et oui, mais moi le problème c'est que ma fissure. Bah elle alors, fait, tu te tournes un petit peu. C'est pas grave si elle est déviée. On peut le couper. Oui, ça, on peut le. On rajoutera des bandes après. C'est ça, je peux couper et rajouter des bandes. Voilà, exactement. On peut couper après. Là, pour l'instant, on passe maintenant. Une première bande pour unifier. Ok, unifions. Okay. Voilà. Une fois que la bande est posée, on coupe ce qui dépasse. Ouais. Et par-dessus, tout en la maintenant avec le petit couteau, on va repasser de l'enduit. On va essayer de ne pas appuyer trop fort quand on va repasser de l'enduit une deuxième fois pour qu'elle se fonde, en fait, dans le paysage. Là, j'applique bien l'enduit sur la bande pour que ça se fonde dans le paysage. Ensuite, je l'aplatis bien. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc, je vous rappelle, on a commencé par ouvrir la fissure. Ensuite, on a passé l'enduit dedans pour pouvoir la refermer. Là, on commence à tirer une bande par-dessus pour que ça recouvre bien la fissure, qu'il n'y ait plus de relief après. Et ensuite, on remet de l'enduit dessus. C'est ce qu'on va poncer en fait après pour avoir une surface homogène à la fin. Alors, Stéphane. Ouh là là, Stéphane, il est en train de faire une créée. Une création Stéphane, c'est originale. Le retour de la momie, là. C'est la Fashion Week en même temps. C'est pas ça, c'est que, vous savez, j'avais une bande, elle partait comme ça, donc là maintenant pour la deuxième fissure. Alors dans ces cas-là, en fait, on va faire une bande par une bande. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais là, je vais couper, mais je vais une d'abord. Bande de l'enduit, une autre bande de l'enduit. Vous voyez, regardez, là, je vais couper. Voilà, très bien. Moi, je fais de la chirurgie esthétique. Anthony. Voilà. Anthony, ça sort très bien pour quelqu'un qui disait qu'il faisait pas de bricolage. Je fais pas de bricolage, mais j'écoute. Et là, on remet de l'enduit par-dessus. On y va, on y va avec J'écoute le prof. Je suis content, ça veut dire que j'explique bien. Alors. Tout à fait. C'est vrai. Non, c'est bien. On y va, on essaie de bien tirer sur l'enduit pour avoir quelque chose de bien plat. Ah bah très bien, Stéphane. Voilà. Là, c'est impeccable. Là, on a un truc qui commence à prendre forme. Derrière, on en est où ? Mathias, le secret de la fissure n'existe pas pour lui. Non. Et encore, je connaissais pas ce truc de la bande là, en dessous. C'est très le, calico. Le calico. Le calico, ouais. Ben écoute, c'est pas mal du tout. Alors, Janan a... Moi, je trouve ça... Non, mais moi, c'est une peinture que couches. J'offre... Alors, là, par exemple, t'as mis beaucoup d'enduit à un seul endroit. Alors que si tu l'avais bien étalé des deux côtés, tu aurais eu une espèce de dégradé plus efficace. D'accord. Donc voilà, si chez vous, vous voyez que vous avez fait ce genre de choses, n'hésitez pas à faire exactement comme elle fait là. Comme en maquillage, quoi. Voilà, exactement. Il faut bien estomper la matière. Alors une fois qu'on a fini, Jérémy, on fait quoi ? Alors voilà, dernière étape, chez vous, vous laissez sécher l'enduit. Pendant 4-5 heures, le temps que ça prenne bien. Et une fois que c'est sec, là, vous prendrez votre papier ponce et vous frotterez tout le tour de la fissure pour homogénéiser, en fait, et avoir un mur qui redevient plat et une fissure qui soit complètement rebouchée. Allez. Alors, on va noter. Donc, Stéphane. Alors, moi, c'est superbe. Je dois dire, Stéphane. Je suis assez content de mon mur. Là, franchement... Alors, pour Stéphane, combien vous lui mettriez ? Un petit 9, parce qu'il était bien appliqué. C'est voilà, bien, merci. C'est très gentil. Je vous embrasse. 9. Alors, Anthony, vous donnez combien pour l'Anthony ? Je veux bricoler. Je mettrai un 10. Oh, bah allez. Voilà. Ce sont des belles œuvres, vous voyez. Merci. Alors. Moi, je suis trop fière de moi. Alors. Audrey. C'est bien. Eh ben Audrey, en fait, elle a bien fait parce qu'elle a bien débordé sur la fissure. Et donc, du coup, après au ponçage, on va avoir un truc bien homogène. Moi, je mets 9 à Audrey. Non, 10. Non, 9. 10. 9. Bon, bah 9. Et ensuite, Mathias, c'est pas mal, Mathias. Sauf qu'il y a plein alors, de Mathias. Trous, là. Là, il y a un trou. Non, c'est parce qu'après, on s'est un petit peu énervé. Mathias s'en sort bien.
Et Mathias, je vais mettre un 9 aussi. Très bien, merci. Merci. Et Jeannine. Alors Jeannine a essayé de rattraper un petit peu, mais bon, c'est un petit peu moins bien. Ah bon? Bah, Anthony, c'est... Non, c'est un 6 pour Jeannine. Mais moi, je suis très contente. Mais merci beaucoup. Bravo. Anthony, merci d'avoir été avec nous. C'est trop court. Je rappelle que Showman, c'est le spectacle. Là, en novembre, il y a plein de dates partout en France et à partir du mois de mars, n'est-ce pas? C'est au... l'endroit, c'est où? Au Casino de Paris. Il est fatigué, Stéphane. Non, pas du tout. Il travaille fort. C'est du 15 au 20 mars. C'est la France qui se lève tôt. Oui. Stéphane Bern, la France qui se lève tôt, il travaille fort. Alors, du 15 au 20 mars, on va retrouver notre ami Anthony Cavana. Il est incroyable, c'est un véritable showman. Il faut aller le voir et on l'applaudit. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Évidemment, donc comment ça va bien? Des astuces. Ah, il est fort. Il est incroyable. Merci à tous. Bon week-end à tous, à lundi.